C'est joli tissu, hein, pour le rideau. J'ai deux fenêtres, mais j'ai pas... Michel, il y a rien à voir. Je t'ai vu. C'est quoi? Pourquoi? Tu prends de mon sou, s'il te plaît. Tu prends quoi? Pour faire le rideau. C'est joli pour le rideau, ça. Ah, dit qu'il veut se laver. Tu veux ça pour les rideaux? Oui. Mike, ok. D'accord, tu le promets, tu sors, tu reviens plus. C'est vrai? Oui à la vie, oui à l'amour, oui à la paix, oui à la vie, oui à l'amour, oui à la paix. T'es ta fille l'amour, Tia? Eh ben, je connais pas l'amour quand j'étais jeune fille, et je connais pas l'amour quand j'étais jeune femme, jusqu'à ce mois, jusqu'à ce mort. Je comprends rien du tout. Ouais. Oui à la vie, oui à l'amour. Vas-y, oui prends, prends. T'es. تيري هاكي ادي كلش Je ne mérite pas ça. Je ne suis pas toute seule. Il y a des femmes comme moi. Il y a des femmes plus fortes que moi. Mes camarades d'alphabétisation, j'ai toujours pensé à celles qui sont toujours dans mon cœur. Aïcha, Fatma, Fatima, Hasna, Rahma, et Maria, et Fatoumata, avant mes camarades d'alphabétisation, j'ai slamé à vos places. Et je slame à vos places. À 50, j'ai trouvé mon stylo. Salam alaikum. Votre tata Miloudak, que de bonheur, que de bonheur, que de joie. Alors, la vraie tata, vous avez la tata Miloda. Il faut aller au centre socioculturel pour apprendre à lire et écrire. Alors, tata Miloda, j'ai 66 ans, mère de 6 enfants, 3 filles, 3 garçons. Je suis également grand-mère de 9 petits-enfants. Voilà, je suis marocaine, divorcée. Voilà, quand je suis arrivée en France, 1989, je travaille le ménage, repassage, garde les enfants, les personnes âgées. Et quand je suis arrivée en France, j'ai passé 5 ans et demi sans papier, j'étais fermée sur moi-même. C'est grâce à une dame, ma patronne, elle m'a dit, Milo, d'avoir cours alphabétisation pour apprendre à lire et écrire. Et moi, j'ai dit, c'est quoi cours alphabétisation? Il dit, quoi et comment? C'est pour ça que j'ai dit, maintenant, j'écris sur le centre socioculturel, et voilà. Et je remercie tous mes amis au grand corps qui m'ont beaucoup aidé à apprendre à lire et écrire. Alors, j'ai commencé par slam, c'est un jour j'ai dit à ma fille, voilà, grand corps malade, slam de sa vie, moi je suis capable de slammer de ma vie. Et après, je commence par slam, et maintenant, et dans le Coran, il peut dire flam. Je suis actrice, j'ai joué dans 12 films différents. Il y a un film que je suis sorti cette année, il s'appelle D'une pierre de coups. Et l'autre film qui est sorti en 2014, il s'appelle Patience, patience, et au paradis. Le film on a fait en France, Belgique, Maroc, New York. Et autre film avec le réalisateur Alberto Italiano. Alors le tournage sera janvier à Saint-Malo, à Rennes. Et bien je suis contente que j'ai fait le slam, que j'ai fait des films. Alors maintenant j'ai montré à toutes les femmes qui étaient comme moi. Vas-y aussi, jamais vous dire jamais, il vaut tard que jamais. Il n'y en a pas d'âge pour s'instruire, il n'y en a pas de régime pour s'instruire. Vas-y aussi jamais. Et je continue jusqu'à la fin de ma vie, Inch'Allah. Avec mon stylo, mon cahier. Chaque jour, chaque nuit, je prie un mot. Chaque jour, chaque nuit, je prie une phrase. Et grâce à mon stylo, mon cahier, aujourd'hui, je peux apporter mon témoignage sur les femmes de mon village, sur mes camarades d'alphabétisation et sur moi-même. Je rêve de mon avenir avec mon stylo, mon cahier, malgré